Est-ce qu'il reste des trucs bleus? Si on avait pris le bateau la première fois. C'est bon, il y a moins de monde. Se rapprocher. Suis-moi, Atreus. On a le coffre. Pas vu au premier passage. Là, regarde. Ça ressemble à un dessin. C'est peut-être une carte. Oh, vu de la tortue, carte au trésor. Au milieu des feuilles rouges et de la mousse verte, j'ai caché mon trésor à l'endroit où rêve la tortue. D'accord. Premier trésor. Il y a une espèce de puits. Je sais pas si c'est par là qu'il faut aller pour la suite. En tout cas, j'ai vu une écriture. Le voilà! J'espère qu'il se souvient de nous! Pierre de l'oubli légendaire. Cette pierre se nourrit d'énergie qu'elle absorbe au contact. Très prisée par les nains qui en font des rêves, permet d'améliorer les pommeaux absorbant la santé. Se trouve aux emplacements indiqués par les cartes au trésor. Ben voilà. Pierre de maîtrise du givre. Carte au trésor terminée. Le tribut de la tortue. C'était là. Affaire résolue. Mer de sang. Enfin, une histoire digne d'intérêt. Si tu te rappelles, Ymir, le premier géant, a été mortellement blessé par Odin. C'est dans son sang que commence notre histoire. Les entrailles magiques d'Ymir se déversent dans un torrent si violent qu'il faillit submerger toute la création. Là aussi, je vois. Un chemin. Okay.
Je change. Encore. D'anneau. On trouvera pas l'ami de Brock en vie, pas vrai? Qu'est-ce qu'on a là? Système de pinces, comme dans les montagnes, de... Allez, on se lance. Une carte au trésor, parfait. Mort et boursouflé. Alors, le troll qui a tué les miens est mort, mais la bataille a fait des ravages. J'ai enterré tout ce que j'avais près du corps. Ingrid et moi venions souvent sur cette plage pour voir le soleil se lever au-dessus du temple. Alors, de retour au niveau de la falaise de l'oiseau. Pour une carte au trésor, il nous avait parlé d'un géant qui était tombé, enfin d'un troll plutôt. Il me semble de mémoire avoir vu un troll tomber. Près d'où on a libéré un esprit, voilà, il est là. Je suis derrière toi. Ils étaient costauds ceux-là. Nice. Pierre de l'oubli légendaire. Cette pierre se nourrit d'énergie qu'elle absorbe au contact, très prisée par les nains qui en font des réserves. Permet d'améliorer les pommes absorbant la santé. Se trouve aux emplacements indiqués par les cartes au trésor. Mort et boursouflé. Donc effectivement, j'avais vu juste. En fait, j'ai eu de la chance. En fait, j'ai fait une mission annexe pas très longtemps avant. Et je me souviens que l'espèce de troll m'avait un peu...
m'avait un peu marqué. Hein? Donc, deuxième carte au trésor depuis le début. Donc, c'est ici que ça se situe. Et un vagabond. Tiens-toi prêt. On va revenir quand même. Où ça nous mène cette affaire. Atreus, par ici. Parchemin, oui, carte au trésor. Hé, hey, une autre carte au trésor. Nice. Qu'est-ce que ça nous dit? Toute ma vie, j'ai servi le dieu du tonnerre et c'est là où devraient s'établir tous les habitants de Midgard et j'ai enterré mon plus grand trésor au pied du dieu des dieux. Alors, nous voilà devant la statue de Thor qui est quelque part par là. Tac. Escalade. Oh merde, j'ai oublié. On était déjà passé par là.
Alors sur notre carte, je sais pas si vous voyez, alors je peux pas, j'ai pas accès, mais en fait au niveau de la gauche, on peut voir une partie en bois qui ressemble en fait à cette partie-là. Ah. Nice. Une réinstable. Œil de rage. À genoux devant Thor. Donc voilà, on est ici. Par contre, il faut aller au niveau de la tour de guet pour pouvoir avoir accès ici. C'est vrai que j'aurais pu passer par là également. Ouais. J'ai peut-être donné un peu de mal pour rien. Ah, je suis resté de l'autre côté et en fait j'ai vu que la partie de droite là était détruite. On pouvait pas descendre, donc pour me balader j'ai pas. Ouais, c'est plus facile d'utiliser ce portail, d'ouvrir et on arriverait directement à la zone. Torte d'affront au nom du maintien de la paix et de la sauvegarde de son peuple. Mais la folie d'Odin, sa tyrannie, l'usage corrompu qu'il faisait de sa magie. C'était plus qu'elle n'en pouvait supporter, et elle finit par le quitter. Nous reprendrons plus tard. Atreus, par ici. D'accord. Oups. Une autre carte, super. Alors, cette fois-ci, l'historien, je voulais apporter ma contribution à la collection de reliques de Fafnir. En arrivant, j'ai trouvé la porte close et des pierres m'empêchaient de rebrousser chemin. J'ai enterré mon trésor et je me suis caché aussi vite que j'ai pu. Si je survis, je reviendrai le chercher. D'accord, là par contre, la photo peut nous aider. Donc là, on peut voir qu'il y a un petit chemin, donc on va prendre notre bateau. Et par ici, on va s'engouffrer dans le trou jusqu'à arriver à cet endroit. Nouvelle zone donc, ravin de Fafnir. Donc nous c'est la réserve hein, qui nous intéresse. Tu veux qu'on s'arrête sur cette plage ? Oh oui. Je ne sais pas. T'es pas curieux? Il a l'air intéressant. Nous allons dans sa réserve pour récupérer des choses qui pourraient servir. Pas pour en apprendre plus sur ce nain. Fafnir était quelqu'un de très intéressant, frère. Je te conterai peut-être son histoire.
Accès mystique. Des saloperies planquées un peu partout là-dedans. Ah, tiens. Passer par là. Voilà la solution de l'énigme. Givre éternel. Œil de maîtrise runique. L'historien. Alors là par contre ce coffre là c'est complètement au hasard que je suis tombé dessus. On a deux boucs. Les flammes, on va reculer un petit peu. On est dans la réserve de Fafnir. Historien. Tac. C'était ça. Ah, effectivement, je me souviens de cette représentation. L'historien, donc, c'est je voulais apporter ma contribution à la collection de reliques de Fafnir. En arrivant, j'ai trouvé la porte close et des pierres m'empêchaient de rebrousser chemin. J'ai enterré mon trésor et me suis caché aussi vite que j'ai pu. Si je survis, je reviendrai le chercher. Donc les indices, en fait, c'est Fafnir. Et après, c'est le logo. C'est marrant parce qu'on a vraiment l'impression que les têtes de bouc sont très très grandes. Alors qu'en fait, finalement, elles sont... Elles sont pas si grandes que ça. Nouvelle zone donc, ravin de Fafnir. Donc nous c'est la réserve qui nous intéresse. Tu veux qu'on s'arrête sur cette plage ? Oui. Je ne sais pas. T'es pas curieux? Il a l'air intéressant. Nous allons dans sa réserve pour récupérer des choses qui pourraient servir. Pas pour en apprendre plus sur ce nain. Fafnir était quelqu'un de très intéressant, petit frère. Je te conterai peut-être son histoire. Accès mystique. Il veut pas me parler. Ah, Corbac.
Nice. Corbeau. 1 sur 5. La vache, il y en a dans cette zone. Alors également, on est à côté d'un atelier. Enfin, je crois pas. Encore. Pauvre Fafnir. La ligne est mince entre l'ambition et la cupidité, vous savez. Saloperie planquée un peu partout là-dedans. Ah, tiens. Des pillards. Oh oh, ils ont dû arriver avant nous. Deuxième corbeau. La suite, ça, que l'histoire de ma cloche. Wow. Atreus. D'accord. Une autre carte, super. Mais alors qu'est-ce que ça nous dit? Mon voyage sera long et je ne peux emporter que l'essentiel. Je laisse mes biens sous le regard protecteur du visage de pierre jusqu'à mon retour. Visage de pierre, d'accord. Donc il y a des grandes chances que ce soit dans cette région. Là où il y a le visage. Chasse au trésor, sans fermer l'œil. Alors dans le service rendu précédent, on est tombé sur une carte qui s'appelle Sans fermer l'œil. Et on nous dit, mon voyage sera long et je ne peux emporter que l'essentiel. Je laisse mes biens sous le regard protecteur du visage de Pierre jusqu'à mon retour. Donc là, on va aller dans la région de montagne, voir si on trouve le trésor. Rapproche le petit gars là. Voilà.
Et voilà notre trésor. Œil de sureur. Sans fermer l'œil. Voilà, on est juste à côté de l'entrée de la bouche. C'est le fils. Waouh. Le fils du spectre? Comment tu le sais? Le sceau. C'est le même que celui sur la dague plantée dans le dos du père. Il s'est défendu, mais ça n'a pas suffi. C'était nombreux, hein? Ils l'ont trahi. C'est un massacre. La trahison entraîne la trahison. À mon avis, les hommes n'ont pas apprécié que le gamin tue son père. Il se croyait prêt à commander. Ça lui a coûté la vie. Sûrement. Là, regardez, à ses pieds. La pierre a aiguisé. Nice. Oui, ils lui ont enfoncé le crâne avec. Vraiment? Oh. Oh. Tiens-toi prêt, mon garçon. Sindri la veut, c'est qu'elle doit être utile. Gantelet, eh bien, les pillards ont des priorités bien à eux. Si une chose ne brille pas, et qu'on ne peut ni la boire, ni la manger, on peut toujours enfoncer un crâne avec. Nice. Pas de coffre légendaire pourtant. Argent, c'est pour ça. Fais gaffe, il y a une brèche là. Atreus, par ici. Parchemin, trésor. Une autre carte. Je parie qu'on y trouvera quelque chose d'utile. Les rameurs de Nord. Alors, lors de mon dernier voyage, mon navire a été détruit par la tempête éclair de Thor. J'avais perdu tout espoir quand les bons vents de Nord ont chassé les nuages et gonflé mes voiles. J'ai caché mon trésor là-haut, où je peux à jamais souquer avec les rameurs de Nord.
Ah, c'est les fameux rameurs que l'on a sur la carte. Alors où est-ce qu'ils sont? Je sais pas si on les voit là-dessus. Il y a un endroit où on voit deux statues avec des rameurs. C'est ici ou ici? On ira voir à la fin de service rendu. Voilà nos deux statues. J'ai regardé toute cette zone, j'ai rien vu. On va peut-être tenter de faire le tour en passant dans la zone des Valkyries, qui est une zone qu'on n'a pas encore découvert. Que je vous montrerai une fois que j'aurai éliminé toutes les Valkyries. Spécial pour vous. Ah. C'est bien notre trésor. Yes. Catalyseur glacial. De suprématie du givre, les rameurs du nord, de nord, moi j'arrive pas à dire le NNJ, compliqué, on dira le nord, c'est plus facile. Donc voilà, carte au trésor qu'on avait découvert. Donc ça demande de passer un petit peu par la région que j'ai du mal à. Identifié à la Conseil des Valkyries. C'est par là que je peux l'avoir. J'en doute. Il était déterminé à leur accorder le repos lui-même. On n'aurait jamais pu le faire. Ça n'a pas d'importance. Notre victoire ne fera que lui rappeler son échec. Alors, pourquoi on a fait ça? Viens voir ici. D'accord. Parchemin, trésor. Une autre carte. Je parie qu'on y trouvera quelque chose d'utile. De la création. Pour gâcher sa vie à adorer la création d'un hôte, je vénère Buri, premier des dieux né des As. J'ai déposé une offrande sur l'île qui lui est dédiée. On est dans la région Anse de Fer hein, pour découvrir cette carte. Cet esprit. Celui dont la mère a été tuée par Thor, qu'est-ce qu'il a? Que son histoire te serve de leçon. La vie des hommes n'a aucune valeur pour les dieux. Je sais, père. Tu sais. Mais est-ce que tu écoutes? Oui. Bien. Tu veux qu'on s'arrête ici? Réserve de Buri. Putain, encore. Une région inexplorée.
Alors c'est cloche. D'accord, il y a la grille qui gêne. Prépare-toi. Ça serait bien un trésor que j'ai pas encore. Bon, j'ai pas la carte. Ah, ou à moins que c'est parce que je c'est bon. Voilà la solution du monde. Fibre éternelle. Donc l'île de la création. On est dans la réserve de Bury. Regardez ça tout de suite. Carte au trésor. L'île de la création. Pourquoi gâcher sa vie à adorer la création d'un autre? Je vénère Bury, premier des dieux, né des âges. J'ai déposé une offrande sur l'île qui lui est dédiée. Ouais, je me souvenais même pas de ça. Qu'est-ce qu'on a? Alors, zone secrète découverte, tour de guet. Si on allait de ce côté-ci. Atreus. D'accord. Au trésor. Accouche-moi. On va pouvoir après. Une autre carte. Super. Non, c'est bon. Attention. Pardon, je suis pas prêt. Royaume de la chasse. Mozgoni, roi des hommes et des bêtes, je suis venu en son royaume pour savoir s'il avait obtenu les ingrédients de l'armure légendaire. Je n'y ai trouvé que mort et chagrin. Je laisse cette offrande en mémoire à ceux qui ont péri dans la quête de gloire du roi nain. Attends.
Non, ça me rappelle un trésor, c'est à l'espèce de porte. Voilà. On va le voir au niveau de l'illustration. Alliage de lettres. CDH. Royaume de la chasse. Ce temps-là, ouais, ça va. Ça me parle bien celui-là. Voilà. Espèce de cercle. Motsgoni, roi des hommes et des bêtes, je suis venu en son royaume pour savoir s'il avait obtenu les ingrédients de l'armure légendaire. Je n'y ai trouvé que mort et chagrin. Je laisse cette offrande en mémoire de ceux qui ont péri dans la quête de gloire du roi nain. Trésor donc. Atreus. Carte au trésor. Alors les Valkyries me traqueront jusqu'à mon dernier souffle. Si elles veulent ce qui m'appartient, je vais le cacher juste sous leur nez. D'accord. Ils nous ont cachés par là. De l'argent. Ils aiment bien mettre des corbeaux habituellement. C'est pour redescendre. On y est, n'est-ce pas? C'est le Rockstool. Oui, petit. Le conseil des Valkyries. Ah. Les Valkyries viennent du Valhalla, n'est-ce pas? Content de voir que tu suis, mon frère. C'est exact. Le Valhalla, la grande halle des Eneriar, elle leur demeure à Asgard, mais là-bas, elles sont sous la supervision du père de tout en personne. Et les relations entre les Valkyries et Odin étaient tendues lorsque je lui servais de conseiller. Pourquoi? Oh, c'est une très longue histoire, petit. Pour l'instant, contentons-nous de chercher des indices. Placer les 8 tomes.
Ah, c'est là où faut poser les... Ange, effectivement, très discrète, très calme. Alors que ses sœurs étaient brutales et rapides, R était un courant apaisant. Elle soignait les plaies des dieux et des mortels, et même d'un certain sage omniscient qui tomba d'une montagne après avoir trop bu. Je n'en suis pas très fier. C'était lui. Oh là. Instable. Œil de suprématie ironique. Aux yeux de toutes. Carte au trésor. Aux yeux de toutes. D'accord, c'était ici. Je pensais à un moment donné que c'était au niveau de la montagne. J'avais cherché à un moment donné, je pensais que c'était là, mais en fait non. C'est ici, au niveau du conseil des Valkyries. On peut accoster ici. Mise à jour. Caverne oubliée. Bosphor. Fremont. Eric. Je viens juste chercher mes os. C'est un accès mystique ici. C'est marrant, il ne le déverrouille pas. Atreus. Viens. Hé, hey, une autre carte au trésor. Nice. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, j'ai longtemps travaillé pour les Zla Farmor, mais le salaire est maigre. Avec le camp divisé entre Vendride et son père, personne ne remarquera que je subtilise une partie des gains. Mon perchoir secret est la cachette idéale. Donc ça, on l'a trouvé dans la région Caverne oubliée. Forteresse de Norfree. Alors là, ce qu'on est en train de chasser, c'est du trésor et notamment commission. Donc déjà, on a la grande roue. On doit pas être loin. Chose d'assez ressemblant. Génial. Braise résistante. Carte au trésor terminée. Encore une lecture. R. 7 sur 8, il n'en manque plus qu'un. Un brasier. Et de l'autre côté, il y a un mort avec certainement de l'argent. Et j'ai hâte de savoir ce qui nous réserve une fois qu'on aura tout allumé. Regardez, c'est quoi des...
c'est pas de corbeau. Non, ça va, il y en a qu'un dans la zone. C'est quoi ça? Viens voir ici. Oui, père. Parchemin, carte au trésor. Encore une de ces cartes. Décidément. Qu'est-ce que ça nous dit? Bien que nous venions d'Alfheim, les elfes blancs veillent aussi sur Midgard. J'ai passé la plus claire de ma vie dans cet avant-poste et j'y mourrai sans aucun doute. Île de lumière. Donc direction, alors non pas le rivage des neufs, mais l'avant-poste des elfes blancs. Quand vous accostez sur la plage, il y a quelque chose qui ressemble énormément au dessin. Alors j'ai déjà fait tous les objets de la zone, donc c'est pour ça que tous les accès me sont déverrouillés. Et voilà notre trésor. Très résistante. Île de lumière. Terminé. Gagne du savoir. Espérait trouver son époux en vision, mais fut à la place témoin du Ragnarok. Lorsqu'Odin eut vent de son ultime prophétie, il manœuvra pour s'approprier son... Donc... Réfléchis plus. Viens m'affronter! Qu'est-ce que je peux faire avec ça? La tombe de mon père se trouve sur une île, à l'est. Ne confondez pas la statue de Thor qu'a érigée ma mère avec cette horreur, au sud. Facile à savoir à quelle zone il est rattaché. Donc. Ah. Atreus. Encore une de ces cartes. Au trésor, la clé du capitaine. Le capitaine dans le ventre de l'hydre. Son passe me revenait enfin. J'ai vogué vers une nouvelle terre, mais mon bateau s'est abîmé et j'ai sombré avec la précieuse clé. Elle repose juste sous les flots à la pointe d'un pic sous-marin. Ça, on le récupère, cette carte au trésor, d'un chute de pierre. Direction l'île de la mort. Quand on arrive sur le rivage, là encore une fois, c'est une zone que j'ai déjà visitée, donc on va peut-être avoir peu d'ennemis. Et les accès me sont déjà
débloquer. De bateau. Là, on a quelque chose qui ressemble énormément à la photo. Et on débloque un trophée chasseur de trésors. Donc, on a tous les trésors du jeu. Là, c'était la clé du capitaine. Niveau des trésors, on a tout. Ça, il y en avait pas mal. Hein. Et en parallèle, on avait déjà fait tous les autres jeux. Donc logiquement, on a tout.